Mission accomplie. Voici les clichés confidentiels. Vérification de la source Alpha. Classification du contenu 1. Ces photos ont été prises il y a à peine une heure par le satellite Osiris. Ce cliché est magnifique, n'est-ce pas? Bienvenue, mon général. Bonjour. Général. Bonjour. Salut, Paul. Vous avez les clichés d'Osiris? Ah, joli ce cliché. Messieurs, le gouvernement russe a acheté notre tout dernier missile M51 à un prix exorbitant et maintenant, il demande des comptes. Il faut retrouver ce missile au plus tôt ou on court à la catastrophe. Inutile de vous rappeler que cette vente entre nos deux pays était une vente hautement confidentielle. Qui est la cible? Pour l'instant, on ne l'a pas encore identifiée. Aucune revendication ni aucune demande de rançon ne nous est encore parvenue et je ne pense pas que cela arrive. En tout cas, eux ou les terroristes devaient être bien renseignés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien de plus que ce que je viens de dire, mon général. Tout le monde ne peut pas voler à M51. Messieurs, il faut que nous travaillions main dans la main. Bon, alors je propose de mettre sur le coup deux de mes meilleurs agents, Division Action. Non, personnellement, je ne voudrais pas revivre le cauchemar du Rainbow Warrior. Hein. Non, mais, ni vous ni moi n'y étions quand ça s'est passé. Mon général. Non, écoutez. Écoutez-moi. Mon général. Mon général. Le principal acteur de cette affaire, Bob Dockland. Ah, ce petit merdeux! Oui, mais il a été muté à la Jamaïque et je ne veux plus entendre parler de lui. Très bien, alors je propose que l'on prenne deux agents parmi les miens. Ah, bah oui, bah alors prenons deux de vos agents, mais qui passent par Serpent. Cela va de soi, mon général. Cela va de soi. J'ai fait appel à vous, le monocle, c'est que dans cette affaire, je méfie tout le monde. Vous êtes le seul agent cruteur en qui j'ai confiance. Il y a évidemment une taupe pour que le M51 ait pu être volé. Et si c'était moi, la taupe? Excellent, excellent. Il faut trouver une solution pour ne pas envoyer de nos meilleurs agents à l'abattoir. Il faut faire vite. Nous n'avons que deux semaines. Il faut recruter ailleurs. Il nous faut des civils. Je vous demande pardon? S'il existe bien une taupe, il faut absolument lui empêcher toute initiative de l'intérieur. Ce qu'il nous faut, c'est de nouveaux agents. Des civils que l'on verra au casse-pipe, au nom de la raison d'État. Des chèvres. Des chèvres? Vous voulez dire des... des appâts? Putain. Joli costume, hein. Excusez-moi. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes assis sur ma veste, là. Oh, je suis désolé. Non, en fait, je suis dé... C'est incroyable, ça. Mais j'avais un... Voilà. Elle était parfaitement pliée. Mais elle est encore pliée, votre veste. Elle est pas pliée. Monsieur, vous êtes aveugle ou quoi? Regardez, là. Mais quoi, là? Elle est pleine de plis, votre veste. Un pli de plus ou un pli de moins, qu'est-ce que c'est? Ah bon? Mais qu'est-ce qui te prend, là? Pardon? Alors, bon. D'une, vous me vous voyez. De deux, tu dégages. Tu dégages, ça c'est mon sofa. Ah ouais, c'est ton sofa, il y a écrit ton nom, il y a écrit Ducon peut-être dessus. Bah, vu, c'est bien ta place. Ok. Quoi? Je vais te casser la gueule. Je te casse la gueule, je vais te. Putain, je pète un câble! Je vais te casser la gueule! Oh. Je crois que c'est moi qui vais te la péter, ta petite gueule. Ah bon? Ouais. Allez, derrière! Oh, ça va là, voilà. Eh, pour qui. Ah eh, pour qui. Eh, attention, hein, pour qui vous vous prenez là? Vous baissez les bras là! Les petits chauves, c'est Benoît Rivière. Vit seul avec sa mère, n'a jamais connu son père, n'a jamais quitté Paris, vient de se faire larguer par sa petite amie. Mmh. Très timide, a du mal à se contrôler. Il va s'énerver pour un oui ou pour un non. Ah, excellent, excellent. Et le grand... Attention, ok, ouais. Ouais. William, le sauvage. Il n'a pas eu le temps de perdre son emploi parce qu'il n'en a jamais eu. Pas sa vie à jouer en réseau. Pas de liaison inconnue. Il se croit irrésistible. Hop là, voilà, c'est bon. Hop là. En réalité, tout ça cache une profonde frustration. Excellent. Si l'on faisait le coup du « un seul sera pris » là pour lui motiver un peu. Hein? Mais ça va là déjà. Mais vous, vous prenez pour vous. Pour qui vous voulez? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Will, mais appelez-moi le sauvage. Je m'appelle Ben, mais appelez-moi Ben. Le sauvage, Ben, non, je voulais non. vous dire... Appelez-moi, non. Appelez-moi Will. Appelez-moi Will. Will, Ben, je voulais non, vous dire... Non, Will, Ben, non, le sauvage. Bon, écoutez-moi. C'est moi, mais je décroche pas. C'est incroyable, ça. Je
je viens. Non, mais... Ah, c'est ma mère, par contre, qu'est-ce que je votre fais mère, nous... Oui, je décroche, mais je parle pas. Ah non, mais... J'ai jamais vu ça. Alors là, je suis... Alors là, maman, je suis bien... Ah, un gros bisou, maman, je t'aime. Quoi? Oui, bah, j'aime ma maman. Et, ah, c'est la honte. Ah, bah, nous vous suivons depuis longtemps. Vous êtes différents, mais vous avez un point commun. Vous êtes fort. Vous pouvez me tutoyer, c'est bon. On m'appelle le monocle. Et je suis un agent recruteur. Les services secrets ont besoin d'hommes comme vous. Avec ce petit plus qui permet de s'adapter à toutes les situations. Donc... Est-ce que j'ai de l'asthme? J'ai pas ma ventoline, mais ça va, ça va. Des survivres. Seul un d'entre vous partira en mission. Je suis prêt, par quand? Attendez, vous comptez nous départager comment le monologue? Vous subirez toutes sortes de preuves physiques. Le meilleur de vous deux sera sélectionné. Bastida, je préviens Minus. À partir de maintenant, c'est la guerre. Il doit n'en rester qu'un. La division Action constitue la fine fleur de l'armée française. C'est l'unité la mieux équipée, la mieux entraînée, sur laquelle puisse compter le gouvernement. Ici, c'est dur. Et pourquoi c'est dur? Parce que c'est la condition du succès. Test de résistance passive au choc. Nous allons maintenant faire le test de capacité à l'autorégulation thermique. Mettez vos casques. Ici, on met à votre disposition du matériel au banc d'essai. Vous allez le faire tourner dans les limites extrêmes de ses possibilités, au-delà des normes réglementaires. Alors, question, pourquoi il n'y a pas de portière? Parce que ça ne sert à rien pour l'exercice que vous allez faire. Le cas, c'est pourquoi? Ils vous seront grandement utiles pour l'exercice que vous allez faire. Go! Mais c'est toi là, tu touches mes vitesses que je pars. J'ai rien fait, ça va pas. Je mets la marche arrière et pars n'importe. Mais j'ai rien fait, c'est toi qui es con. Mais c'était un câble. Merde. Incroyable. Dites-moi le sauvage, pourquoi devrais-je vous prendre vous plutôt que lui? Arrête, vous plaisantez ou quoi? Vous avez vu sa tête qu'il a lui? Une vraie tête de lâche. J'ai pas vu un lâche comme ça depuis longtemps. Ben non, vous étiez pas dans le tank, vous. Oh, avec l'odeur de la lâcheté... Puis ça va, moi, vous savez qui je suis. Vous connaissez mon père, Docteur Sauvage. Eh ben, vous connaissez son fils, maintenant. Très bien, vous pouvez sortir. Dites à Rivière de venir me voir. Faut que je lui parle. Qui ça? Rivière! Oui, Rivière, bien sûr. Mon couvre-chef. Eh, soyez pas trop dur avec lui, là, quand même. Hein. Alors? Fausse votre voix. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Ah oui, il y a un sacré problème. Ouais. C'est avec ta gueule, je crois. Ouais. Tu veux? Ouais. Pourquoi moi plutôt que lui? Mais il y a plein. Mais c'est incroyable. Lui, il est trop. Il y a qu'à voir. Quand, le matin. Juste, j'y pense, ça me. Prenez-moi, s'il vous plaît. Prenez, parce que c'est si j'ai pas ce travail. Ma mère, elle est mise à la rue. Et moi aussi. Et comment je vais expliquer après, moi,
C'est moi, ça se voit, non? Agent Le Sauvage, agent Rivière. J'ai les résultats des tests. Ah, enfin! Allez, c'est... Non, allez, c'est bon, laisse-nous. Oh là, regarde, il y a une navette. Allez, prends la navette pour rentrer. Non, désolé, ministre. Je n'ai pas fini ma phrase. Nous n'avons pas réussi à vous départager. C'est bizarre, ça. C'est la raison pour laquelle vous allez partir tous les deux en mission. Oh my God. Donc, mon colonel, permission de parler. Accordé. Mon colonel, vous faites un sacré... Vous faites un bon choix. Voilà ça. Oh, colonel, colonel, je peux dire un truc. J'en ai vu des colonels dans ma vie. Ça, vous êtes... Votre mission commence avec effet immédiat. Messieurs, votre mission consiste à localiser et récupérer un M51. Le M51 est un missile de 12 mètres de hauteur, 2 mètres 30 de diamètre, 56 tonnes de masse. Sa structure en résine et en carbone polymérisé lui permet de résister à des pressions de 130 bars. Voilà. La tuyère du premier étage peut quant à elle résister à 3000 degrés. Il a 8000 km de portée. Il a 6 têtes nucléaires. On peut carrément en mettre 7. Il est si précis qu'il peut toucher un sushi à Yokohama. Bravo. Pour conclure, on peut dire que le M51 est la Rolls-Molp, la Rolls, tout simplement, la Rolls-Molp. La Rolls-Royce du missile. La Rolls-Royce, c'est moi, ça. Je reconnais que vous êtes bien renseigné. Bon, la dernière fois que nous avons repéré la rampe mobile du missile 51, c'était au bord de la mer Noire, près de Norovo-Si. Voici les clichés qui ont été pris par notre satellite, Osiris. Nous ne sommes pas J-15, mais J-7, n'est-ce pas? Bien sûr. Mouillez! C'est très beau, très beau cliché. Très beau. Il nous a donné à moi. En agrandissant ce très joli cliché, comme vous l'avez souligné, on obtient ceci. Non! Oh, ce petit tatouage-là sur la poitrine, je le reconnaîtrai entre mille. C'est Nati Dredd, la numéro 1 de l'agence Fleur du Mal. Qu'est-ce que je me suis... Elle me fait rêver. Elle me fait rêver. Bravo, c'est exact, c'est Nati Dredd. Elle sera demain à Monaco pour le Grand Prix. Vous croyez qu'elle va faire quelque chose avec ce M51? Ça, c'est à vous de nous le dire. Demain, vous serez deux riches milliardaires en villégiature sur la Riviera. Non, non, attendez, c'est pas possible, ça. D'ici demain, jamais on aura le temps de devenir milliardaire. Excellent, excellent. Là-bas, vous rencontrerez votre contact. Vous communiquerons le mot de passe au dernier moment. Vous devez être sur vos gardes. Si nécessaire, on vous enverra le gamme 56. Non, 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 vous vous déplacez pas pour... Enfin, peut-être pour lui. Des questions? Non. Ah, si, si. Pour l'argent, on fait comment? Parce que nous... Ça, c'est le contribuable qui régale. Oh! C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Oui, enfin, allez-y doucement quand même. Faut attention. Non. Non. Allez. Non. Oh la vache. C'est un sublime pistolet. Arrêtez de flipper, c'est pour rigoler, ça va. Incroyable. Il est... okay. Non, il est en moi. Question. Est-ce que, comme James Bond, on a la licence to kill? C'est assez délicat. Vous pouvez tuer, mais seulement en cas de nécessité absolue. Ah, dommage. Dommage. Mais la nécessité absolue, par exemple, si je vais à la boulangerie, comme tous les matins, je commande ma baguette, elle me sort un bâtard. Aïe. Ça m'est pas arrivé encore, heureusement, mais je serais super déçu. Là, j'ai le droit de l'abattre, la boulangère. Excellent. Excellent. Bien, messieurs, vous allez rencontrer maintenant le chef de la division appui technique. C'est incroyable. Là, il y a des casques. Regarde. Ça capte pas, là. Mais regarde, il y a même un lama espion. Oh, c'est incroyable, tous les trucs qu'il y a ici. Ah non, 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 non. Hey, j'espère que c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est horrible, ça. Tiens. C'est pour moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, le kaki, comment ça me va trop bien. Je peux l'essayer, monsieur? Allez-y. Ceci est le nec plus ultra de la combinaison de camouflage. C'est génial. Je vois moins, mais ça a l'air génial. Mais juste une question. Comment ça marche, en fait? Appuyez sur le bouton, sur la manche. Celui-là, monsieur? Ouais. Ah!
Allez-y, déplacez-vous un peu. Oh là là, comment... C'est génial. C'est... Will? Oui, Ben, quoi? Ben? 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 Je suis la main au cul hantée. Je mets des mains au cul partout, hein, où ça m'arrange. Dès que je vois... Arrête ça. Quoi? Arrête ça. Ça me fait un peu peur. Oh, il a peur de... Arrête, c'est bon. Ça va, c'est une main... Bon, ça va bien, vous le désactivez maintenant. Ouais. J'ai une minute, je l'ai. Ouais. Petit poney. Arrête! Petit poney, tu... Oh, ça, ça va? Quoi? Allô, t'es... Petit poney. Arrête! Oh, oh. À moins que... Attendez, vous allez me dire que c'est quoi, ça? Par exemple, une paire de skis, ça? Ben non, c'est une carte de crédit, ça. Oui. Oh. Ah, là, je suis d'accord avec vous. Là, bravo, hein? Y en a-t-il un de vous deux qui passe son temps à téléphoner? Moi, ici. J'avoue, tout ce qui est téléphonie sans fil, c'est mon dada. Venez avec moi. Je vais vous offrir le tout dernier téléphone miniature. Will? Oui? Vous nous attendez ici, d'accord? Et attention, on touche avec les yeux. Ouais, tu touches avec les yeux, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de toucher, il touche à rien. C'est une métaphore, il touche pas. Il n'a pas le droit de toucher parce que lui, à chaque fois, il touche. Moi, j'ai... Ouais. Bonsoir. Viens voir. Viens voir, je t'ai dit un sec. Super le sens de l'humour. J'adore. Génial. Mais il n'y aurait pas un malentendu là? Parce que j'avais dit un téléphone. C'est les téléphones qui m'intéressent en réalité, ouais. Pas les dentistes. J'adore tout ce qui est dentisterie, tout ça. Mais je vais... Non, attendez. Non mais sérieusement. Parce que là, moi, j'avais dit... Non, attention, là. Oh, écoute-moi bien, professeur Foldingue, tu vas me dire... Tu me dis, qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi ça, ça? Ça, tu l'enlèves, ça, c'est pas un téléphone, je reconnais! Je reconnais toutes les marques! Je connais tout! Enlève ça, non! Ah, j'en veux plus. Allez, on rentre à la maison. Hop, c'est terminé. Allez, non. Non, allez, on met la bouche. Allez. Arrête. Arrête. Je suis désolé. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est pas bon. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Arrête. Quelle bonne surprise, monsieur Penn. Ça fait frais. Voilà. Non, ouais. Voilà. Je viens de vous installer le tout dernier téléphone molaire. Pour décrocher, c'est très simple. Une pression entre les deux dents, comme ceci. Et pour les SMS? Oh, oh, bah dis donc, t'es toute, toute dégueulée à poil. Faut pas, t'as pas froid aux yeux, toi. D'ailleurs, hein, d'ailleurs. Ouh, dis donc, t'as l'air souple. T'as mal si je fais ça? Et si je fais ça? T'as pas mal, hein? Je déconne. T'es une sacrée baroudeuse, toi. Moi aussi, j'ai baroudé, tu sais. Dites-moi, je pense à un truc là, ces stylos. C'est bien les stylos pour signer les contrats d'espions, n'est-ce pas? Non, c'est le dernier modèle de micro-caméra. Ah. Infrarouge, thermique, rien ne lui échappe. Je connais. Pardon. Tenez, ces kits d'espions appartiennent à l'État. Essayez de pas en abuser et prenez-en soin. Maintenant, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance. Oh, j'oubliais, ce sont des lunettes un peu spéciales. Vous verrez par vous-même. Ça, c'est un truc, là. C'est que je vais démonter la gueule. Un jour, on se retrouvera, je te démonte. Souviens-toi de sa gueule, ça sera plus la même.
Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais il est adorable, ce mec. Mais t'as vu tout ce qu'il nous a donné ? Gratuit, rien à payer. C'est un malade. La semaine prochaine, je te garantis. T'es un malade. Mais arrête de faire ton difficile. Eh ben, vas-y, bah, tout seul. T'as payé quelque chose, au moins ? Je m'en fous de lui. Et puis arrête de faire ça, ça m'énerve. Ah, bah, c'est vrai. Déposé à Nice. Là-bas, un bateau vous attend. Le contact se mettra en relation avec vous au bord de la piscine de l'hôtel. Ouais. Le mot de passe, oui. Voulez-vous cocher avec moi ce soir? Alors, l'hôtel. Et on doit répondre quoi? Gitchi, gitchi, dia, dia, dada. Tu te rappelleras? Bonne chance. La chance n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle. Juste le talent. Et juste le travail aussi. Ah, ouais. Et la santé. Ah oui. Et la chance. La chance. T'as dit vous avez... La c'est chance. Qui l'a dit la chance. Ah, d'accord. La chance, vous avez raison. Hasta la mitad. Bonne soirée. Contact avec la cible. J'ai l'impression qu'il va être pas trop mal sur contact. Satellite, c'est fait. Oublie mon coup. On va faire main devant ta bouche, on déroule. On déroule. On y va. C'est cool, sourire. That's kill them. Non. Bonsoir. Bonsoir. Seul. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Excusez mon ami, hein, il est un petit peu violent. Et vous? Oh, moi c'est le contraire. Moi je dis Gitchi Gitchi Yadada. Bah si, vous dites voulez-vous coucher avec moi ce soir? Hop, j'arrive, je dis Gitchi Gitchi Yadada. T'es nul en code ou c'est comme ça? Gitchi Gitchi Yadada. Je l'ai dit clairement ou quoi là? Un souci? Ben ouais, y a un souci, elle comprend que dalle au code celle-là. Gitchi Gitchi Yadada, c'est compliqué ça. Mais je me calme. Ah, vous, vous avez dit je voulais vous coucher avec moi. Je lui ai dit ça, ça y est, elle l'a déjà. C'est bon. Kitty Chayana. Putain, comment il le fait, même moi je sais pas. Kitty Katana. À la vache. Kitty Katana. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh yeah. Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Oh yes. Oh yes. What you me want complex? Oh yes. What you me want let's sex? Est fini. Tuez-les maintenant. Quoi? Maintenant. Pull back. I repeat, pull back. Et puis, voilà. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pardon? Vas-y, toi. Bon, ça, non, j'ai cru comprendre, les mecs, c'était toi, je t'en prie. J'ai jamais dit ça. Bah, il y a là hier soir encore. J'ai mené bon, il y en a un qui veut coucher avec moi ce soir, oui ou non? Gitchi. 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 Ok, c'est bon, venez. Voilà, c'est une invitation pour la soirée privée sur le yacht du mal. Wow. Nati Dredd y sera. Love you, baby. Contact. C'est... Ça va, monsieur? Mais oui, bien sûr que ça va. Dis-moi,
Vu le genre de gros poisson qu'il y a là-dedans, faudrait mieux aller vite s'acheter des chaussures et des costumes. Des cravates, des chemises, des chaussettes et des bijoux. French Riviera. Beau chapeau, très beau chapeau. Voiturier. Bon, on se retrouve à l'hélico. Bonne chance. Ah, la honte, comment il est arrivé dernier. Pardon? Oh là là, là. J'étais là, c'était moi. Oh, je t'ai mis au moins 20 minutes. Mais ça va pas, j'étais comme ça. Je suis arrivé, j'écoutais les infos, savoir s'il y avait eu un accident ou quoi. Là-bas encore, ta voiture va la chercher. J'étais là, j'écoutais les infos, il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, désolé mon pote. Quoi? Ils sont vivants. De l'agence de mannequins Fleur du Mal. C'est le mal. Bonsoir, monsieur le mal. Vous n'auriez pas vu un M51 traîner dans le coin, par hasard? Très drôle. Vous êtes très drôle. Je vois que vous êtes joueur. Je vais vous proposer un petit défi. 1 million le point, ça vous va? Non. Non. 1 million. 1 million, on est deux. 2 millions. Jetez les dés. Non. On va faire un autre. C'est le TCVV. Le TCVV quoi? Temps de cuisson, viande, volaille. Ah oui, ah oui. Ah bah, le jeu de la diète 7. À vous la main. Pintade, 1,8 kg. 30 minutes, thermostat 7. D'un dono, pour 6 personnes. 40 minutes, thermostat 4. J'arrête vous, 1,5 kg. 50 minutes, thermostat 8. 8. Travers de port, 5 kg. 50 minutes, thermostat 4. 5. Non, oh, perdu, ça vous lâche. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pas ou quoi? Messieurs, faites-moi l'honneur de rester dormir ce soir, le temps que je réunisse la somme en cash. D'accord. Mais pas de coup fourré, je vous préviens. On est des durs à cuire. À cuire. Cuisson thermostat 8. La caipirinha est un sport brésilien mortel qui permet de... 2 secondes. Benoît Rivière, j'écoute. Mais maman, je travaille, là. C'est pas vrai. Arrête. J'ai donc mon bac. Je te rappelle tout à l'heure, bisous. La caipirinha... Non, je vais me mettre en boîte vocale, 2 secondes. Salut, vous êtes bien sur la boîte buccale de Benoît Rivière. En opération actuellement, laissez-moi un message. Wouh! Ok. La caipirinha... Ah, c'est comme ça?
Ok. Le petit chauve n'est pas avec toi? Non, non, non. Eh, mais ce serait pas mieux tous les deux, hein? Tu sais, j'ai bien vu comment tu m'as regardé tout à l'heure. Ça trompe pas, ça. Tu me kiffes, en fait. T'es comme toutes les autres. Vous me kiffez toutes, c'est normal. À moins que tu sois venu me parler du M51. Non. Je suis venue pour te tuer. C'est trop mignon, comment vous me le dites. Mais avant, on va s'amuser un peu. Ah, quand même. Qu'est-ce que vous faites, là? Arrêtez. Oh, la vache. Non, non, arrêtez. Arrête, merde. Ça fait des guillis. Arrêtez. Ouh là là, j'ai pas vu le temps passer. Dis donc, c'est plus l'heure de faire des bisous. Laissez-moi. Bon, j'avoue, l'extincteur, c'était pas obligé. Ça, c'est ma petite touche perso. J'ai adoré le bruit. Sur cette tête à elle, le bruit, il a fait boum, c'est boum. C'est bizarre, vous faites pas le même bruit toutes les deux. Là, c'était bing. Bon. Mais ça va pas ou quoi, là? Non. J'ai toute la nuit devant moi. Allez, mais ouvre-toi. C'est... Excusez-moi, je cherchais les toilettes. Oui, moi aussi, hein, faut pas plus. Mais arrête. Des lunettes hypnotisantes, pourquoi je les ai pas mises avant? Bonne nouvelle, le mal. Vous pourrez lancer l'opération Flower Power le jour de votre anniversaire, comme convenu. On vous attend avec impatience à la Jamaïque. Champagne! Non, j'ai plus soif, reviens. Viens ici. Et montre-moi plutôt tes... Ah non! Tu connais la chanson de... Exciting. I'm Desire. So excited. Non, qui t'a dit de chanter ta chanson, là? Quelqu'un a dit ça? Je vais devoir te punir, toi. Oh! Je crois que j'ai trouvé. Oui, l'a dit. Casse-moi la gueule. Les sœurs Bogdanova auront mis le spray au point dans les délais. Bogdanova? Nous n'attendons plus que vous et le M51. Envoyez-moi Body et Body. J'ai envie de m'amuser un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est vrai. Non. Rebonsoir. Bonsoir. Comme on dit, vous avez un yacht renversant. Vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui nous fait rire, c'est que... Ils ne vont pas tarder à arriver. Et qui va arriver? Ils. Eux. Ils vont arriver, c'est clair. Ces gens-là, Les casques bleus. Non. Les pompiers. Non. Les trois mousquetaires. Non. Les chevaliers du ciel. Non, faux. Dites-moi, ça n'est pas la DGSE, au moins? Vous savez que si certains de leurs agents sont arrêtés ou identifiés, ils ont pour règle de les abandonner et les laisser crever comme des merdes. Reza. Crachoir. Lance-roquette. Bye bye.
chauve, moi. Moi, c'était plutôt celui avec le bouc. Merci. Allez, on y va. Attends, juste une seconde, s'il te plaît. Je tenais juste à vous dire que c'est la première fois qu'on me sauve la vie. J'ai adoré. Je voulais vous remercier à la française. Voilà. Allez, on y va. Attends. Arrête. Tu lui fais peur, là. C'est bon. Ça y est, tu lui fais peur, là. Oh, c'est bon, là. Allez. Mais ça va, mais deux secondes, elle est d'accord. Attends, là, c'est plus à la française, là, c'est à la robeux, là, ça, c'est... Non, oh, pas sur la bouche, ça... Oh là là, regarde, des cactus, c'est incroyable. C'est un fraisier. La jalousie est un vilain défaut. Qu'est-ce que tu me cherches, toi? Attends, y a ta femme, là, elle est quasiment de se faire je rouler. Suis son frère. Ok, donc toi aussi, tu cherches l'embrouille, ok. Box style, kickbox leg. Hop là, allez, à droite, à gauche. Attends, 2 mètres. Attention, les jambes, je t'ai pas touché. Ouais, mon... Ah non, c'est Frankville. Je suis avec le général Boucher. On venait aux nouvelles. Ouais. Ça va, yes. Mettez-vous en vision sur le PC, d'accord? PC. Je dormais pas, je débriefais. Vous pourriez parler un peu plus fort? Non, c'est parce que c'est pour Will. Qu'est-ce qui se passe avec Will? Il dort, il fait que dormir. Je pense qu'il a la mononucléose. Non, mais il se fout de notre gueule. Oui, entrez. Ah, 2 heures, j'attends. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Là, il est réveillé, non? Bon, alors, où en sommes-nous? Ça suit son cours, on est plutôt bien. On est bien dans nos baskets d'espions, ça va, ça marche. Mais encore? On sait 2 choses. Natty Dread est avec le mal. Le mal, ils auraient chouravé, comme on dit en espionnage, le M51, ça c'est sûr. Ah oui. Bravo pour la perspicacité. Bon, et ensuite? Non. Attendez. Ah, regardez, c'est du rose. Moi, j'ai dit brut impérial jaune. C'est pourtant ce que vous avez commandé. Ben oui, mais madame, faut rebosser ses couleurs, hein, c'est pas ça. Oh, un petit peu de mazout, ça fait plaisir, mais c'est pourquoi? C'est du caviar, monsieur. C'est avec pas du caviar. Ça, c'est pas. Oui, ça, d'accord pour des toasts, mais ça, c'est pas du caviar. Vous voulez que je fasse quoi? Des toasts au mazout, c'est ça? Bravo. J'ai non, cette vilaine toux, là. C'est pas du caviar, mais c'est pas du caviar. Ok, j'essaie de vous l'expliquer gentiment, je vais vous envoyer la machine. Ben! Mais il est rose, je veux du jaune, le jaune le matin, le jaune. Attendez, je rêve ou quoi là? Vous avez entendu? Non, mais je rêve. Et je vais lui parler gentiment. Une seconde. Tu peux reprendre, monsieur Frankeville, 1 minute. Ça fait 30 ans que je bois du champagne, j'ai jamais vu ça. Alors vous allez me chercher du vrai champagne? J'en ai marre! Calmez-vous maintenant, ça suffit. Non, écoutez, un peu de respect. Je respecte et vous. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais quel cirque, détendez-vous. Vous voyez du cirque là? Vous calmez, vous dégagez, vous allez chercher du vrai champagne. Ok, tu veux du champagne? Ouais. Tiens. Oh non, mon Dieu. Non. Au revoir, général, pardon. Elle a rien. On la connaît, elle vient tout le temps. Je vais péter un câble. Et vous, comment ça va? Vous êtes où, là? Allô? Vous recevez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel de merde? Excusez-moi, mon général. Vous êtes sûr que tout se passe comme vous voulez? Ça va comme on l'a prévu, c'est le petit déj, c'est tout. Oui, bon, bah alors, parle-nous un peu de cette histoire, de ce machin-là. On sait que c'est un milliardaire diabolique qui se sert de son agence de mannequins comme couverture. Le nom de l'opération qu'il veut lancer s'intitule... Flower Power. On a des gars sur la traduction. Uh-huh. On sait aussi qu'il veut lancer l'attaque le jour de son anniversaire. Oui, à part ça? Donc, en fait, on connaît pas le jour de son anniversaire. Vous voulez peut-être parler de ça? Vous l'avez eu, vous? Il n'y en avait plus, nous. Excusez-moi, général. En fait, ça correspond exactement avec le J-15 de départ. Si vous dites ça, oui. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'un spray est sur le point d'être mis au point par les sœurs Bogdanova. Un spray sur le point d'être au point? Et il sert à quoi, ce spray sur le point d'être au point? Ça a peut-être un rapport avec le M51, mon capi-chef. Mon général, s'il vous plaît, espèce de petit con. Non, on n'est pas rendu, hein. Moi, à mon avis, c'est vous qui n'êtes pas au point. Mais... Je veux des résultats, je veux du concret. Oh, oui. Du dur, non? Du dur! Mais voilà, oui. Mais où il est?
Le mal. Le mal est partout, c'est bien connu. Il se fout de notre gueule. Le mal est actuellement sur l'océan Atlantique, en train de voguer sur son yacht. Heureusement que tu m'as ouvert les yeux, le mal. L'homme is bad. Oui, ma fleur, il dit la triste vérité. L'homme is bad. C'est pour ça que je dois le rendre stérile. Ou impuissant. Enfin, les deux, quoi. Tu as raison. Grâce au spray, tu seras le seul reproducteur de cette planète. De cette planète, pour commencer. Merci. Tu peux me laisser maintenant. J'ai besoin de me ressourcer. I need to resource. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le poursuivre? 2 secondes, on est là, il faut qu'on se repose, faut qu'on récupère, on a une sacrée grosse journée, nous. Une grosse journée? Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ouais, un peu. Bon, écoutez-moi, à la Jamaïque, il y a un homme à nous, il s'appelle Bob Dockland, d'accord? Bob Dockland, très bien. Quel est le mot de passe? Plus de mot de passe! Le sort du monde est entre vos mains! Bougez-vous! J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Ah, vous... Allô? Vos notes de... Bah... Oh, oh. Pardon? Ah bah voilà, ça c'est du brut impérial jaune. Et c'est pour qui? Je sais pas, Renvoie-moi ça. J'attends pas! Ils ont coupé, les salauds. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, vite! Bienvenue à la Jamaïque, les gars. Je suis Bob Dockland, votre contact sur l'île. Putain, content de voir des types de la maison depuis le temps. Mais comment vous avez su qu'on était des espions? Bah, c'est marqué DGSE sur vos chemises. Non. Où est-ce qu'il est? Ah, je... Mais non, je déconne. On m'a envoyé vos photos pour que je puisse vous reconnaître. Toi, c'est Will. Non. Moi, non, c'est... Oui. Ben, en fait. Ben. Alors toi, tu dois être Will. Waouh. Avec mes lunettes, il me reconnaît. Ouais. Ouais. Voilà le travail. Alors là, chapeau, hein. Waouh, waouh, waouh. C'est ça, les professionnels. Jamaïca. Waouh. Wow. Ouais. Attention. Alors, c'est qui cette fois, les méchants? Les jaunes, les Ruskov? Non, on est à la recherche du mal. Le mal, ça vous dit quelque chose, le mal? Le mal, mais tout le monde le connaît ici. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a carrément volé un missile M51. Donc il faut qu'on le retrouve et qu'on le ramène aux Russes. Oh putain, on bosse pour les Russes maintenant. Ouais, c'est pas nous qui décidons. Attention! Le mal vit sur l'île de Kaya. Les pires légendes courent sur Kaya. Les gens d'ici en ont peur. Personne, je dis bien personne, n'est jamais parvenu à localiser l'île de Kaya. Oh, même pas vous, M. Dockland. Hein? Allez. Si certains ont réussi, en tout cas, ils ne sont plus là pour en parler. Mais vous savez ce qu'on dit sur Kaya? Non. Non? Non. Non? Non. Mais alors, vraiment, non? On dit qu'un jour, Kaya est là et que le lendemain, elle n'est plus là. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'un jour, Kaya est là et que le lendemain, c'est toi qui n'es plus là. Ah, et t'es où alors? Qu'est-ce qu'il y a comme espions dans ce pays, hein? Oh non, c'est pas des espions, c'est des mecs qui me font chier, c'est tout. Ah. Ben, pousse-toi, vous avez assez de place? Ouais, c'est bon. Pasta. Jimmy, il est arrivé le message de la maison? Pas encore, man. Quoi? Pas encore.
Asseyez-vous. Je suis rudement content de reprendre un peu de service. Ça fait une paye que j'ai pu bosser. On m'a mis en veilleuse. Je suis retourné à l'agriculture, comme on dit à la maison. Et tu plantes quoi? Tu me plais bien, toi. Ouais. Je suis ce qu'on appelle un dormant. Et pourtant, vous avez vu la forme que je tiens, hein? Et je suis encore... Comme ça! C'est bon de tout faire péter, c'est non? Les jeunes espions d'aujourd'hui... Ils font tout dans la finesse. Oh, ouais, ah, nul. Zéro. Ouh, les jeunes, ouh, les jeunes. Mais vous, vous avez l'air de coriace. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre tous les trois. Monsieur Bob Dorton. Arrête de m'appeler monsieur. Ça me fout les goûts. Bob Dockland. Oui. Pourquoi Dockland? Parce que je viens d'Auckland. Ah ouais, si, ça se tient. Si, ah oui. Bob Dockland. Bob d'où? Je suis d'où? D'Auckland. Qui suis-je, Bob? Si, ça, ah, oui, ça marche. Tu peux pas lutter. Dockland, effectivement. Ici, ok. Et pourquoi vous êtes venu en Jamaïque? À cause de l'affaire satanique. Ah oui, satanique. C'est une bonne vanne, ça. Je sais bien que vous savez que c'était le nom de code du Rainbow Warrior, les gars, mais depuis, j'ai du mal à le prononcer. Ça va, je savais, moi. C'est lui, j'ai pas la honte. Si, même à la fin, vous êtes fait avoir comme des gros nazes. Ah non! Ça, c'est ce qu'on a écrit dans les journaux. En réalité, c'était une tentative de déstabilisation des Rosbifs. Et toc. Santé. Oh, wow! C'est du bon, hein? J'en mets dans la jupe. Ça déménage! Je perds un peu l'œil gauche, là, par contre. Aïe, il y a du nerf, hein! Ça vient de la maison, man. Bon, alors, lisons d'abord le message crypté. Voile sur les filles, stop. Et barque sur le Nil, stop. Je suis dans ta vie, stop. Je suis dans tes draps, stop. Alexandra, stop. Alexandrie. Ça se connaît, ça me connaît. Si, c'est une chanson, ça. Si. J'ai plus d'appétit. Pourquoi t'as mangé quoi? Un barracuda. En décrypté, ça donne. Les sœurs Alexandrie et Alexandra Bogdanova sont deux chimistes russes qui ont disparu à Moscou en janvier 2001. Elles travaillaient sur l'impuissance et la stérilité masculine. Ah! Bon, moi, ce que je veux, c'est que les lapins soient impuissants et stériles. Alors, vous notez, impuissants et stériles. Injection du spray. On commence les tests. Debout, les morts! Mon petit lapin. Mon petit lapin chante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Мы забыли уколоть кроликов. Я знаю, что мы забыли уколоть. Но plus très loin. Ça va aller. Moi, je suis plus très loin de te foutre la main sur les gueules, là. Baisse les yeux. Non. Et la courtoisie de me regarder dans les yeux quand je te parle. Baisse les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu baisses les yeux. Baisse-moi les yeux. Tu me regardes quand je te parle, oui. Baisse. Regarde-moi. Baisse. Insolente, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Baisse-moi ces yeux. Fixe. Baisse-moi ces yeux. Je suis très déçu, d'accord? C'est consternant, ça. D'accord? Tu as beaucoup de chance, toi. Et toi. Vous avez tous beaucoup de chance ici. Beaucoup. Tous. Et vous savez pourquoi? Merde! Alors, les gars, prêts pour la reconnaissance photo? Hein? On peut pas la faire en jeep, plutôt? Oh là, la flippette, celui-là. C'est quoi la différence avec un aéroport normal, ça? Pas que l'aéroport, en fait. Thank you.
développer ce que vous savez, pour étudier ce que vous savez, et on se retrouve où nous savons. Ouais, ouais, mais c'est bon, ça, on le sait, hein. Oh, si vous savez toujours tout, c'est pas la peine de me le faire répéter. Ah, Ben, regarde-moi ce que le monde est petit ou non, là. Ça va, ça se la coule douce, les photographes. Tu sais que je pense à toi depuis qu'on s'est rencontrés. Il me manque une seule chose, c'est ton prénom. Miss Dan. Oh, regarde, elles ont des harpons, des couteaux, elles ont même pas un poisson, même pas un mulet, rien. C'est pour eux. Mais c'est quoi ça? Tu comprends quelque chose là? Vous êtes des chèvres. Vous deviez attirer l'attention du mal pour nous permettre de l'arrêter et l'empêcher de stériliser le monde. Non, 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 non. Et là, et là, oh, attention là, il y a un petit problème. Hein. Oh, attention, ça coupe, hein. Oh, pardon. Chérie. Il faut la sauver. Raté. Aïe, aïe. C'est pas moi. Revenez, Franklin. Oui, oui, c'est ça. Moi aussi, je t'aime. I love you. Je t'aime. À bord de Miss Amoureux. I love you, Wahaini. Qui c'est qui va jouer au frisbee avec moi maintenant? Mère, elle va perdre son appart, ça y est, c'est sûr. Je sais pas quoi lui dire. C'est la honte. La honte. Ah, moi, mon père, il va y rester dans son appart, je peux te le dire. Toi, ton père, il a un appart? Ouais. Tu crois qu'il y aurait une possibilité, peut-être, qu'il héberge ma mère pendant, tu vois, 2-3 mois, le temps qu'elle se retourne? Ça ne dérange pas de se serrer. Tu rigoles, il n'y a aucun problème. Elle s'en fout, elle. T'emballes pas. C'est petit, hein. Mais alors, petit, grand. J'ai 2 mètres sur 2, mais un petit matelas de 60, un lavabo, un barreau. C'est bon, c'est super. C'est bien placé? C'est dans Paris? 14e, rue de la Santé. Mais c'est commerçant et tout, mais elle adore. On n'a jamais été dans Paris, on était. Banlieue, région parisienne, tout ce qui est. C'est d'enfer! Merci! Écoute-moi, je vais te dire quelque chose que je t'ai pas dit encore. Mon père, il a jamais été espion. Voilà. Il était docteur, reconnu par tout le monde, sauf par l'ordre des médecins. Il n'avait pas les bons diplômes. Enfin, il avait pas de diplôme du tout, même. Tu sais, laisse tomber, te prends pas la tête, ça, non. Les diplômes. Tu crois que j'en ai, moi? Je m'en fous des diplômes. Tu me diras dans 2 heures, diplôme ou pas diplôme, on y passe tous. Ça risque bien, ouais. C'est dommage parce que toi, ça commençait à bien marcher avec la chinoise, hein, hein. La chinoise, crooner des Caraïbes, hein. Moi, c'est avec les filles, moi, ça va, hein. Je sais pas. C'est ma première chinoise. Ouais. T'as déjà fait l'amour? Pardon? Non. La mission, on annule. Ça vaut mieux annuler là. Mais tu plaisantes ou quoi? On va la terminer cette mission, hein. Ah ouais. T'en as pas marre qu'on nous prenne pour des chefs, toi? À partir de maintenant, c'est plus toi contre moi. C'est toi et moi contre il. Il. Ok, ouais, mais il nous manque quand même des armes, hein. Moi, il me reste plus. Et pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Je vais vous le faire, moi, l'appui technique. Super, allez, c'est parti. Et ça, votre cabane, monsieur Dockland? Hé, les jeunes, regardez, j'ai les photos de Kaya. Sur vos photos, je vois que des îles qui ressemblent à d'autres îles. Hein. Sauf que l'une d'entre elles apparaît sur toutes les photos. Celle avec un totem. C'est une île qui bouge, en fait. Comme une sorte d'espèce de tortue géante. Avec un moteur. Oui, ça va, les tortues. Bon. Kaya n'est pas une île ordinaire. C'est une île sous-marin. Allez. Ah oui, tordue, les îles sous-marins, oui, j'ai vu les reportages là-dessus, c'est vrai. On y fait comment pour y rentrer dans votre île sous-marin, tortue, là? Ah ben, le totem, à mon avis, c'est l'accès en surface.
Avec ce que je vais leur mettre dans la gueule, il va y avoir de la lumière jusqu'à Paris. Ouais, oh, j'aime bien me tenir à la page. On sait jamais ce qui peut arriver. Wow, wow, un petit fusil, comment c'est trop mignon, ouais. N'importe quoi, ceci est un AK-47, arme mythique, utilisée lors de nombreux conflits, tels le terrorisme. Eh, avec ça, il va passer un sale quart d'heure, le mal, hein. Elle t'est glingué. Et on sauve Miss Dan avant, hein, on est d'accord. Arrête avec Miss Dan. Avec cette nouvelle version du spray, ça m'étonnerait qu'elle s'excite. Да, это ускорит реакцию. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the dark. Et voilà. Yes, ça. Bien joué, bravo. Oui, c'est pas sorcier, l'important c'est de travailler le travail. Bravo, Kiné. Bravo les filles, super. Tu vois ce que je veux dire? L'expérience suivante. Bon, les gars, maintenant, il faut y aller. Mais n'oubliez pas la règle numéro 1. Vous avez été créés pour faire face à l'imprévu, c'est-à-dire au probable. Ah ouais? Dites, monsieur Dockland. Oui? On vous fait comment pour aller à Kaya? Une surprise! Je vous présente Potemkin! Oh, c'est génial! Qu'est-ce que c'est? Il peut anéantir n'importe quel virus en un temps record. J'ai jamais... Ça va. Ah oui. Surtout, monsieur Dockland, vous attendez bien qu'on ait quitté l'île avant de tout faire péter. Derrière. Tout faire péter. Oui, mais je veux bien vous laisser jusqu'à l'aube, mais après, Potemkin et moi, on fait tout péter, les gars. Ben, je suis désolé, les agents passent après la mission. Je dirais même, la mission passe avant les agents. C'est-à-dire... Le mal a sûrement un matériel de détection ultra perfectionné. Nous allons devoir plonger. Curieux, mais j'ai l'impression que le petit chauve me manque. Funny. Je me disais la même chose à propos du grand avec le bouc. Ouais, c'est funny. Hein? Oui. Tout à fait funny. Plage à 10 mètres. On peut nous péter. Hein? On va au totem. Oh, 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 pas cette coco. Put the blood coco! Put the coconut down now! Okay. Okay, okay. Easy, easy, easy. Toi, Yannette, de la bande du mal? Toi, y'en a peut-être être des GSE? Nous, Yannette, espions français. Ich bin der französische Espionner. I am a spy. Do you understand it? Nous, y'en a cherché l'entrée de la base secrète du mal. Une des entrées nous cabas moins. Si toi nous montrer, nous donner toi récompense. Nous donner un stylo. Ouh, écrire. Toi, y'en a peut-être connaître cet endroit. Au cabas moins. Bah oui, je connais, c'est à côté de chez moi. Au cabas moins. Suivez-moi. Moto Cabamouin, comme on dit chez vous. Écoutez, Annie,
Не знаю. T'as bouffé toute la batterie là à l'hôtel. Tu joues avec toute la soirée. Je te laisse 5 minutes avec les combis. C'est bon, c'est super. Bon, ça repart. Allez, attention, Elio, il va vous attaquer. Attention. Suivez-nous. Oh mon Dieu, un macaque avec des noix de coco. Je ne suis pas un macaque, ok? 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 Hein? Ah. Et oh là, et oh, et oh, et oh, toi, quoi, il y en a à faire, là? Ça fait 5 ans, ok? 5 ans. Bon, vite, hein. C'est incroyable le temps qu'on est en train de perdre dans la mission. Ça me... Ça va, on n'est pas à la bourre. Tu rigoles ou quoi? J'ai entendu un mec une fois, il a fait l'amour pendant 15 minutes. C'est une légende, ça. C'est pas vrai, ça existe pas. Oh. About the falling rain, I feel so good. In my neighborhood, oh, here I come again. Got to have a Un autre homme. Ben, il est là. Oh, comment tu vas prendre un savon, toi? T'aurais dû. Il y a un avec un petit sourire, mais je trouve ça dément, ça. Y a rien qui vous choque, vous êtes bien dans vos petites baskets en noix de coco là, hein? Pas de problème. Ah. Moi personnellement, ce qui vient de se passer, je trouve ça lamentable. C'est incroyable. Putain, c'est bon, on va au totem. Allez avec le sourire. C'est par là le totem. Ah ouais? Ok, c'est par là parce qu'en plus il y a un ton, il y a la cravate, super. Ah ouais, super. On t'a rencontré. Ça va là? On y va, ça va, hein? Ça va, hein? Une tête énorme, non. Le mec il a le moulon. Obsédé, va. Messieurs, nous y voilà. Elle est où l'entrée? Ah, il n'y a pas d'entrée. Pour l'ouvrir, il suffit de simuler un orgasme. Pardon? Ah oui, c'est les filles qui m'ont dit. Vas-y, toi, tu le fais bien à chaque fois, comme tu me l'as montré. Non, je sais pas. Ouais, bon, c'est vrai. J'ai eu 2 orgasmes une fois. Ah là là. Mm-hmm. Ah oui, c'est doux. Ah oui, c'est bien ça. Non, Oui. Mais non, monsieur. Un orgasme. Oh. Oh. C'est ça. Voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, ça y est. Voilà. Et voilà le travail. Bon les gars, je vais pas traîner moi parce que les filles m'ont préparé des crêpes et si je suis en retard, ça risque de gueuler. Allez, salut les gars. Merci encore, à bientôt. Bon appétit, hein. Allez, c'est parti. Hein? On y va. Ok. Tiens, Naughty Dread, comme deux par exemple. Gentlemen, bienvenue à l'anniversaire du mal. Mais on aurait raté ça pour rien au monde. La fête a lieu dans 2 heures dans le Kaya Control Center, tenue de soirée obligatoire. Ah, alors il y aurait un problème parce qu'en fait on est juste venu comme ça. J'espère qu'il le prendra pas mal. Le mal. pardon, ok, vas-y. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans votre chambre. Jean. Je pensais. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a pas essayé de nous tuer là? Mais tu comprends rien, c'est de la convivialité ça. On peut être super méchant et super bien recevoir, réfléchis. Ok, alors voilà ce qu'on fait. On s'amuse un petit peu à la fiesta. Mmh. 2-3 cocktails, 3 chacun. 3 chacun. Après, on massacre, on les massacre tous. Will. Ouais. Tu sais, Bob, il va tout faire péter là. Ouais. On risque d'y passer. Ouais. Bon, bah là, on est au maximum du danger. Ouais, t'as vu, hein. C'est pas facile à dire, mais j'ai jamais eu vraiment d'amis. Enfin, toujours, j'ai. Ma mère, on est comme ça, mais. Et avec toi, enfin, je voudrais te dire que. Oh, Nat! La fête va bientôt commencer. Veuillez me suivre, messieurs. On arrive tout de suite. Allez, viens. Ça va, c'est bon.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Mais si, il y a quelque chose. Rien du tout. Je parlais, mais bon, ça va, ça va. Ben vas-y, bah pars maintenant. Je voulais tout ce que. C'est facile. Si. Vous penchez à gauche. Ça tourne à gauche. À gauche. Et à droite. Right. Back. Back. Et en avant. Right. Capiche? Ouais. Vas-y, on arrive. Elle est où? Je sais pas moi, j'ai pas vu, moi je croyais qu'elle était avec toi. Mais je l'ai pas vu, je reviens de là-bas. Où est-ce qu'elle est? Attends. J'essaie là-bas. Des ailes, c'est des pigeons. Est-ce que ça doit consommer en électricité? Rien que les ventilos. Regarde, celui du plafond, ça va consommer d'arrivée. C'est des piles, des piles. Vous louez? C'est en location? Votre patron, comment ça... Oui, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là! Mais c'est extra... Oh, regarde, là-bas, non, une la châtelaine. Viens, viens. Je suis très heureux que vous ayez pu vous libérer, messieurs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis touché. Je vais vous faire un aveu. Je vous trouve incroyablement sympathique. Ah, ça tombe bien, nous aussi. Qu'est-ce que vous diriez de venir rejoindre mon équipe, travailler avec moi, tous les trois, la main dans la main? Oh. Non? On pourrait faire des grandes choses, tous les trois. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Mais, ça demande réflexion, disons que... Okay. On peut parler? Ouais. Mais merci. C'est tous les deux, en fait. C'est parce que là... Merci. Colons, désolé, on ne peut pas. Non, rien, on rigole. au sujet de la question, la réponse est oui. Oui, oui, on accepte. Oui, on accepte. Mais à une seule condition. Oui, dis-lui. C'est qu'on ait 15 jours en août. Hein, pour qu'on se détende un peu. Non. Accordé. Faitons ça. Tout ça, il y a un plan derrière. Il y a un plan. Une seconde, je parle. Il y a un plan. Le plan, c'est de recruter les plus belles femmes de la planète grâce à mon agence, les Fleurs du Mal. Quand je me serai débarrassé du reste de l'humanité avec mon spray magique, je vais m'enfermer ici dans cette arche avec toutes mes fleurs. Et là, coucou. Et là, on va travailler durement à la reproduction, à repeupler la planète, elle et moi. Quel âge vous me donnez là? Centaine, soixantaine? Exactement. Bah, je n'ai que 30 ans. 30 ans, toutes ces dents. C'est génial. À 30 ans, je vais devenir maître du monde. La vache. Pas mal, non? C'est génial. C'est super. Miss Dan, vous en avez fait quoi? Oh, la honte, il l'aime. Oh non, n'importe quoi. Ah, Miss Dan. Ouais. Elle est là. Ne vous inquiétez pas, elle va pouvoir quitter sa toile dès qu'elle accepte de devenir une de mes fleurs, aucun problème. Mais sinon, vu qu'on est associés maintenant, on pourrait peut-être dire que Miss Dan est avec moi. Mais arrête avec Miss Dan. Mais qu'est-ce que t'as à toi, là? Désolé, mais c'est toi. Alors, elle se décollera à un moment bah, donné. De quoi je me mêle? De quoi je mais me mêle? Je me mêle de rien, mais ça va, là, deux messieurs, minutes. Les sœurs Bogdanova sont prêtes. On balance les M51. Mesdemoiselles, tout à vos postes, la fête est finie, je crains. Messieurs. Par ici. If you please. Numéro 1, pareil. Numéro 3, j'attends votre signal. Et maintenant, messieurs... Allez, 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 allez,
Bonsoir, papa. Non, pas papa. Non, non, là, il y a un petit problème. Petit changement d'ambiance, messieurs. Non, 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 non. L'ennemi. L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on pense. Oh non. Oh. Oh oui, mais alors si tout le monde met des masques... Je vous prie de m'excuser, je crois que j'ai complètement oublié de vous présenter. Voici mes parents. C'est une longue histoire. Ça fait chier. Quoi, petit? Qu'est-ce qui t'ennuie? Ça craint d'avoir le bambou tout le temps. Ah non, on ne dit pas avoir le bambou, hein? Ça craint quand même. Cool, cool, ça. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Faire le mal. On peut dire qu'il nous a pas déçus, notre fiston de pied. C'est bon, là, ça. C'est... J'avoue que c'est poignant. Putain. Ça fait quelque chose. C'est pas bon. Rassurez-moi, messieurs, je ne vous fais pas trop de peine. Stop! Tout ça, c'est un conte fait à côté de ma vie. Non, pardon, je t'interromps parce que là, on n'avait vraiment pas le temps de l'écouter. Tu l'es. Ok. Adieu, messieurs. Vous deux, vite! Allez, montez! Tout de suite! Maintenant! Come on, move it! Je vous présente mes deux Rasta Ray, Bob et Marley. C'est l'heure pour elle de manger. Well, j'ai l'impression que c'est pistolet time! Shoot la, shoot la, fume la, shoot la, shoot la! It's time to die, my friends. Est-ce qu'on peut faire une petite prière avant? Juste une. Juste une, après, on die. Vite! Dieu a dit aux Mérovingiens, si tu as faim, tu manges. Si tu as soif, tu bois. Si tu as mal aux yeux, tu mets tes lunettes. Hypnotique. Lunettes, hypnotique, tes lunettes. Non, non, non! Pas les lunettes! Will a dit, plonge. Oh. Will a dit, plonge! Les requins, c'est d'une cruauté. Mais c'est elle qui sait pas nager, ça. Y a rien à faire, hein, regarde. Même éparpillée, elle reste belle. C'est fou comment l'épaule, elle est partie tout de suite. C'est ce qui part toujours. Ouais, elle est partie comme ça. Et la cuisse, regarde, elle accroche. Elle accroche. C'est vrai. Et c'est ce qui donne ce petit rouge vermillon. Ah, oh, c'est beau, n'empêche, hein. Ça donne des reflets. Paramètre nominaux. Yes. Envoyez l'écran. Oui, monsieur. Commencez la simulation par Londres, Tokyo, New York. Vous me prévenez dès qu'on a l'Europe. Inclinaison 15 degrés. Passez en bleu. Allô? Allô, c'est Frankville. Désolé pour l'intrusion. Non, non, ça va. Continuez le lancement. Allez, on y va. On y va. Alors, on y va. On repart. Continuez. Saisissez-les. Mais quoi? Miss Dan. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est bon. Je pense à toi. Mais arrêtez, là. Aïe. Mais ça me fait mal, là. Attendez, si, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose d'important que je peux dire, c'est on a un secret. On a tous un secret. Mise à feu. Mais attendez qu'on finisse. Oh non, mais il est super, son secret. Mise à feu dans H-5 minutes. Les gars, j'espère sincèrement que vous êtes arrivés à sortir de ce truc. Parce que moi, maintenant, je fais tout péter. H-4 minutes. Un éco-radar nous informe d'une attaque. Une torpille fonde droit sur nous. Mais non. Vas-y, vas-y. Vas-y, oui, oui. Allez-y, tant pis.
Si je m'en sors pas vivant de cette histoire, appelle mon père et dis-lui que cette fois-ci, hein, le sauvage aura vraiment sauvé le monde. Vas-y, big boy. Vas-y. Hache-moi 3 minutes. Je suis vraiment désolé pour ton frère. Mais c'était pas mon frère. Le sauvage, ça y est, c'est bon, elle est libérée. Bonsoir, oh, madame. Tout se passe bien sûr. Ah, je vais vous courir. Ça va, là. Foutu, la coupe, foutu. Au secours. Tu allais. Oh, c'est trop mignon. Il nous a envoyé des enfants. Ok. Envoyer ta femme. Chérie, des gens pour toi. Piston, il faudrait peut-être y aller, là. Attention, attention, questa torpedo number 3. Go. Machin, il y en a y aller là. Arrêtez, vous deux. Allez. Déjà là, maintenant. Il faut refermer la trappe de lancement. Allez, tous à mon embarcation. Toi, il y en a à construire radeau. Oui, un truc dans le genre. Non. Je viens juste de le terminer. T'es un débrouillard, toi, hein? J'aurais pas fait comme ça, moi, mais bon, si ça flotte. À vous, la coiffure. Non, pas le gaz! Champagne pour tous, hein? Ça va. Très bien. Deux secondes. Benoît Rivière, sauveur du monde, j'écoute. C'est qui? C'est Francky. Oui, Francky, bouge pas, je vais te mettre en conference call. Excellent, excellent. Alors, Francky, hein, tes chèvres, là, t'en penses quoi? Tu fais moins ton malin maintenant, hein? Excellent, excellent. Je tenais à vous féliciter pour avoir sauvé le monde. Et vous annoncez votre intégration à la DGSE, monsieur. Ah ouais, c'est ça, excellent, excellent, ouais, bouffon, va. Je voulais aussi... Ouais, c'est bon. Ah, wahaini, wahaini. Je me vengerai. Écoute, contente-toi pour le moment de bien conduire l'œuf, d'accord? Quel œuf? C'est pas... Ne réponds pas à ta mère. C'est pas un œuf. S'il te plaît, n'insiste pas, ça va bien.